Moi, je travaille avec l'interaction humaine-machine. Et on travaille avec les capacités humaines. Il y a la partie perception, cognition, action. Il y a aussi la partie de l'ordinateur, c'est le stockage, le calcul, l'entrée, sortie. Mais qui nous intéresse le plus, c'est l'interaction entre les deux. Et nous, on parle de ça comme un phénomène qu'on peut étudier et contrôler. Alors, pour ça, il faut comprendre qu'il y a une boucle d'interaction entre l'être humain qui peut parler, faire des gestes. Après, c'est interprété par les capteurs de l'ordinateur, comme le clavier ou le micro. Il y a un processus de calcul et après, il crée les sorties avec un écran, une enceinte. Et après, nous, on les écoute ou on voit et on fait le processus dans le cerveau. Et après, ça continue. Et c'est une boucle continue.